Nous allons partir un peu vers, je dirais, le nord du Burkina, près de la frontière du Mali, c'est bien cela, pour rencontrer la candidate originaire de la ville de Waiguia. Il s'agit... Ah, il y a Waiguia ici, hein. Mais c'est bizarre. À Faso Academy, Waiguia, ils étaient toujours derniers. Maintenant, pour une histoire de Miss Burkina, on va voir. Mais dans chanson... Comment ? Voici la candidate originaire de la ville de Waiguia. Elle s'appelle Safiatou Tondé. Elle est vendeuse. Elle a 26 ans. On l'applaudit. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Tondé Safiatou. J'ai 26 ans, je réside au Blanc-Ménil et je suis actuellement responsable de sang dans Grand Magasin. Je suis burkinabé par mes deux parents, j'ai deux sœurs et un frère et nous sommes une famille très liée. Je pense représenter au mieux les valeurs africaines car je suis une femme forte, dynamique et courageuse. Telle est l'Afrique d'aujourd'hui. Merci. Mon entourage dit de moi que je suis une femme entière et rayonnante, ce qui me permet d'avoir un œil clair sur le monde qui m'entoure. Je me présente à vous ce soir, car j'aimerais être celle qui représente les richesses du Burkina Faso. Il est important pour moi que le Burkina Faso soit représenté en France, mais aussi à l'international, pour que notre culture soit enfin valorisée. Après tant d'années d'attente, voilà un concours qui met en avant mon pays sans se baser sur des critères physiques, comme nous pouvons le constater dans d'autres concours. Ce concours m'a permis de prendre conscience que j'avais toutes les chances de devenir Miss Burkina Faso France 2015. Je suis là devant vous ce soir, car moi, Tondé Safiatou, j'assume mes formes et mes rondeurs. La femme africaine est... La femme africaine est très belle en chair. Acceptons-nous comme nous sommes. De plus, l'élégance, la mode et la beauté ont toujours incarné mon univers depuis ma toute tendre enfance. À l'avenir, j'aimerais créer une association caritative pour la scolarisation de tous. Je sais que malheureusement, au Burkina Faso, le taux de scolarisation est assez bas car il est de 28,7% en moyenne. Ce projet me tient à cœur car je sais la chance que j'ai eue d'avoir été à l'école, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir eu connaissances, éducation et valeurs qui sont la base de nos jours dans le milieu professionnel ainsi que personnel. À l'avenir aussi, j'aimerais créer une école, j'aimerais construire une école de mon village qui s'appelle Yabansko afin de permettre aux générations futures d'avoir toutes les clés de la réussite. Merci de m'avoir écouté, merci au public d'être venu aussi nombreux, merci au comité Nasset TV, merci à Madame Audoté et son mari, merci à Diba, ma chorégraphe, merci à ma famille, mes amis. Bonne soirée à vous, bonne journée de la femme pour demain et merci de m'avoir écouté. Alors, Safiatou de Waiguia, toi tu as tes deux parents burkinabés. C'est ça. J'ai bien entendu la fin de ton projet, hein, quand tu en as parlé, tu aimerais bien avoir les moyens pour construire une école dans ton village. C'est ça. Tu sais que quand on arrive, quand on reste longtemps à l'étranger et qu'on arrive dans son fief, dans son village, on va saluer la famille, on salue les parents, on salue les chefs. Pour toi, il te faut connaître qui est le chef de Waiguia. Alors, est-ce que tu connais le nom du Naaba de Waiguia ? Le grand Naaba, là. Le grand Naaba. Le grand Naaba. Le grand Naaba. Elle m'a tourné des yeux avec presque des larmes. Non, ma puce. Non, attends, mais si tu connais pas, il y a une autre question. Il y a une autre question. Tu sais ce que c'est qu'un Naaba au moins ? Oui, c'est le grand chef du village. Le grand chef ou le roi ou le... Exactement. Voilà, le patriarche, le chapeau, le big ça. Boss. C'est ça. Oui. Mais je ne sais pas. Oui. Alors, Naaba qui, bah.
D'accord. Mais tu n'as pas trouvé, tu aurais une autre question. D'accord. Tu sais que le Burkina, ton très cher pays, oui. est connu pour les deux roues. Tu connais les deux roues? Elle me fait peur parce que j'ai l'impression de raconter des trucs d'extraterrestres alors que c'est la vérité. Les deux roues au Burkina. Le tour du Faso. C'est la réponse en fait. La question, les deux roues, c'est les vélos oui. et les motos. Les motos et je ouais. m'apprêtais à te demander, est-ce que tu connais la grande fête des deux roues? C'est le tour du Faso. J'ai répondu. Merci à toi. Je vous en prie. C'est pas facile. Merci. Mais tu peux, qu'est-ce que tu nous présentes comme danse, s'il te plaît? Le warba. Ah, toi aussi. D'accord. Burkinabé de France. Merci à toi, Safiatou, merci.